nous avons reçu donc, ce genre d'article. On a deux partenaires qui sont le Super U de Rougeant, qui nous remet donc tous les lundis matins ses invendus. Et nous travaillons aussi avec la Banque alimentaire de l'Hérault, auquel on passe les commandes pour compléter donc les colis. On est aidé par nos bénévoles. Il y en a deux par commune de la pluricommunalité. On sortira le frais. On a reçu des rôtis froids, des pizzas, des pâtés. Des sauces. Hein. Voilà. Et on va leur mettre une petite sauce. Voilà, donc on constitue le sac par rapport à la composition de la famille. Ici, nous avons la plus grande famille du CCAS, qui est composée d'un adulte et trois enfants de 4, 6 et 9 ans. Ici, vous avez une autre famille qui est composée d'un adulte et deux enfants de 7 ans. À 4h30, commence la distribution. Donc on a là les bénéficiaires qui arrivent et on leur donne leur colis. Le bénéficiaire peut nous être envoyé par une assistante sociale qui nous demande de faire un colis en urgence parce que la situation le demande. Et ça peut aller sinon de 1 à 3 mois selon la situation et c'est renouvelable. On les reçoit, on prend le temps de discuter avec eux, de voir un petit peu où c'est qu'ils en sont. C'est un lien. J'ai tout en toi là. Si j'avais pas ça, ça serait compliqué quoi. Ça fait quelques mois hein, que je suis ici, malheureusement. Malheureusement et heureusement, finalement. Et puis j'espère que bientôt ça va se terminer, que j'en aurai plus besoin. Dans mes premiers mandats, le CCAS de Rougeant, comme tous les petits CCAS des territoires ruraux, se contentait d'aides ponctuelles, bon alimentaire, etc. Sans plus, quoi. La pluricommunalité, c'est un choix. C'est un choix délibéré des communes qui font partie de cette pluricommunalité pour avoir davantage de succès et d'efficacité, quoi. Néfiès est une petite commune de 1000 habitants, donc nous avions bien évidemment, et nous avons toujours, un CCAS communal, mais qui était un petit peu démuni lorsqu'on se retrouvait face à des personnes dans des situations difficiles. On pouvait mal orienter, mal renseigner, et mal orienter, souvent, c'est bien pire que de ne pas orienter du tout. Donc pour nous, lorsqu'il y a eu cette idée de création du CCAS pluricommunal, ça a été une évidence que nous allions bien évidemment adhérer. Nous étions là au début de cette création il y a 5 ans pour nous poser la question de comment mutualiser l'action sociale sur notre territoire rural. Aujourd'hui, le guichet unique est clairement identifié. Et dans ce guichet unique, on peut y voir et y rencontrer tous les professionnels qui existaient déjà parsemés sur le territoire, que ce soit des professionnels qui viennent du conseil départemental, de l'État, des milieux associatifs. De la petite enfance jusqu'au 4e âge, nous avons tous les professionnels identifiés dans ce même lieu. La seconde chose, c'est cette confidentialité, cet anonymat dont ont besoin les personnes, parce que dans une commune de 1000 habitants, bien évidemment, tout le monde se connaît. C'est pas évident de pousser la porte et demander à la secrétaire, qui parallèlement est la fille du boulanger, si on pourrait avoir un bon alimentaire. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué. Là, eh bien, on se déplace, on est orienté sur le CCAS pluricommunal, on rencontre des professionnels, de la confidentialité. On n'est pas sous les feux des projecteurs. Madame Pena, bonjour. Bonjour. Je vous reçois donc comme convenu pour le renouvellement d'aide à la complémentaire santé pour vos parents. En étant partenaire de la CPAM et de la MSA, on a des recours et ça va beaucoup plus vite. On est en lien direct par mail. Et ce qu'il faut savoir, dans le milieu rural, la problématique, c'est la mobilité, d'où ce guichet unique qui est très, très important. Il y a la promiscuité avec les travailleurs sociaux qui nous orientent facilement les patients. Voilà, je pense que c'est important. Et puis, ils ont une bonne capacité d'orientation aussi. Mais je pense qu'il y a des personnes qu'on voit qu'on ne verrait pas. Ou qu'on verrait, mais avec peut-être un petit peu plus de... un laps de temps plus important. Et on sait que dans l'addiction, ce qui est très important aussi, c'est d'éviter l'apparition des dommages. Donc, plus tôt on intervient, plus tôt on limite les dommages. Et c'est vrai que ces personnes qui sont peu mobiles ou qui ont des freins, voilà, parce qu'elles ne veulent pas se déplacer vers un centre, etc. Du coup, ça nous permet de les voir plus tôt, d'avoir une prise en charge plus précoce finalement. Une AS, par exemple, une assistante sociale m'appelle dans l'urgence, elle me dit, bon, Aline ou Nathalie, hein, parce qu'on est deux, il me faut un colis d'urgence. Moi, je demande bien évidemment au préalable
la confirmation et l'approbation de ma direction. Et à partir de là, on se déplace au comptoir alimentaire et on fait un colis d'urgence. Oui, oui, bien sûr, c'est monnaie courante, hein, malheureusement. Moi, je n'avais pas trouvé la dernière fois. Ouais. Les missions locales sont très attachées à la proximité, d'être au plus près du jeune. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a ces permanences qui sont faites sur les communes qui nous accueillent et qui nous mettent à disposition un bureau, un ordinateur, le téléphone. Voilà. C'est vraiment une force. Ça permet un travail de partenariat qui se construit, qui se fidélise et qui permet d'apporter une réponse au plus près et au plus vite hein, pour les personnes. Le rôle des missions locales, c'est de faciliter cet accès à l'emploi ou à la formation et de travailler avec eux sur tous les freins périphériques autour du logement, de la mobilité, des aides financières pour débloquer un petit peu des grains de sable qui pourraient parasiter le parcours. Et donc votre conseillère, Madame Carayol, voilà, va être informée que là, le devis est accepté. Et du coup, ça sera traité en commission. Là, c'est pour l'aide au permis. Le problème dans tout ce qui est trouver un métier, etc., c'est qu'il faut pouvoir être voituré, genre se déplacer, etc. Parce que c'est vraiment très compliqué sinon. Et c'est le serpent qui se mord la queue parce que si on n'a pas de permis, on n'a pas d'emploi. Et si on n'a pas d'emploi, bon, on n'a pas de permis. Donc grâce à la MLI, je vais avoir une aide pour le permis du coup. Le bus se déplace de Montpellier dans les villages où j'interviens et permet de recevoir les mamans, les jeunes couples avec les bébés dans un endroit clos et adapté pour cela, avec le matériel qu'il faut. Deux fois, quand elle va à la boulangerie dans la poussette, elle s'en... Moi, je suis juste le village à côté, à Gabian. Les premières fois, elle est venue à domicile. Ça, c'est vrai que c'est aussi plaisant quand elle est toute petite. Et maintenant, du coup, j'essaye de venir une fois par semaine ou bien tous les 15 jours à la permanence pour faire le point avec Isabelle. Il a trouvé une convention dans les villages où on intervient, entre le département et le village. Après, à charge, eux, de l'afficher et d'informer les gens qui viennent au CCAS. Ou bien la maman a un problème particulier, elle va rencontrer la personne du CCAS. Elle m'adresse cette famille-là et avec son accord. Au-delà de tous les permanenciers, des secrétaires coordinatrices qui vont occuper ces lieux, nous avons également des ateliers créatifs, des ateliers cuisine, des ateliers d'alphabétisation, nous avons également des ateliers informatiques, etc., etc. Et moi, ça me fait du bien. Ça me sort un petit peu du quotidien. J'ai une aide alimentaire, mais après, nous avons aussi une aide pour la facilité de tout ce qui est les papiers, pour qu'on puisse faire les photocopies. Si on a des problèmes, par exemple, qu'on n'a pas Internet à la maison, etc., nous avons la possibilité aussi de pouvoir aller sur les ordinateurs, pour aller sur Pôle emploi, la CAF, etc. Pour les recherches d'emploi, c'est très intéressant. Et puis, bon, ben, c'est un coup de main nécessaire pour essayer d'avancer plus vite, parce que des fois, en passant par nous, par la voie normale, on ne nous écoute pas, mais des fois, quand ça passe par la mairie, là, on nous entend. Donc après, on a quand même l'aide à côté de l'assistance sociale, voilà. Et donc c'est tout un groupe, c'est une cohésion. Et moi, je pense que pour un village, on est très très bien servi. C'est une question de sociabilisation, je pense aussi, parce que de rester enfermé à la maison, des fois, on peut ruminer. C'est pas bon. Puis d'apprendre, ouais, plein de choses, le relationnel, ça fait de la communication. Puis ouais, d'apprendre. D'apprendre diverses trucs, je trouve ça très intéressant. On m'a aidé pour tout ce qui est les CV, pour faire les lettres de motivation, pour tout ça, pour s'exprimer aussi devant le patron, parce que c'est pas évident. Donc c'est vrai que le CCAS aide beaucoup dessus, à savoir bien parler, bien s'exprimer, les bonnes questions, pas les bonnes questions. Voilà, ça permet. Puis bon, après, bon, relationnel niveau des patrons, ça facilite beaucoup parce qu'elle nous aide beaucoup à faire des premières démarches pour dès qu'on a besoin d'un papier au niveau des employeurs. C'est vrai que ça aide énormément. Le chef de poste de la police pluricommunale de Rougeon, qui est composé donc de 3 policiers municipaux. On intervient donc sur 5 communes en pluricommunal. Ces 5 communes sont également partenaires du CCAS pluricommunal de Rougeon. Ce qui nous permet, quand on a des petites problématiques un petit peu particulières, soit d'informer, soit d'orienter vers le CCAS pluricommunal, qui devient un réel partenaire, tout en gardant, bien sûr, notre droit de réserve et nos prérogatives respectives, mais qui permet aussi d'être assez efficient dans la réactivité pour le service public et orienter la personne vers l'endroit qui correspond le mieux à son problème. Et ça permet d'avoir, je pense, une certaine équité en termes de sécurité, notamment sur les petites communes les plus reculées en termes ruraux. Chaque élu dans chaque commune
reste aux manettes, aux commandes de son action sociale. Il n'identifie ce guichet unique et cet endroit qu'uniquement comme un outil à sa disposition, à son entière disposition. C'est-à-dire que la commune d'hier, qui ne bénéficiait de rien ou de pratiquement rien à l'action sociale, du jour au lendemain, grâce à cette adhésion, à cette collaboration, à cette convention, à cette mutualisation, elle se retrouve avec un outil professionnel, activé par des professionnels. 94% des communes de France ont moins de 5000 habitants. Donc nous représentons aujourd'hui, dans ces petits CCAS, 40% de la population nationale. Comment organiser cette ruralité avec des petits CCAS, avec des problématiques de transport? Donc en aucun cas, on ne pourra aujourd'hui, ni peut-être demain, faire le lien et le parallèle entre une grande ville, une métropole et ce qui se passe dans notre réseau purement rural.